dernier moment avant une synthèse proposée par Christine Ascoli et Daniel Marcelli, cette table ronde en présence de Edwige Antier, voilà, pédiatre que tout le monde connaît tant ses interventions médiatiques ont été nombreuses et continuent à l'être, ancienne députée, membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale et spécialiste du droit des enfants et de la famille. Merci aussi à Jacqueline Philippe, présidente de l'association L'Enfant d'abord et notamment co-auteur avec Maurice Berger d'un ouvrage, mais je pense aussi qu'Edwige Antier nous dira l'ouvrage qu'elle vient de publier sur ces questions de l'enfant en situation de séparation. Merci à notre juriste, on peut dire ça pour une avocate d'enfant, hein, c'est ça, voilà. C'est à notre juriste Catherine Perel-Mutter, avocate au barreau de Paris et spécialisée en droit des personnes, je pense de la famille et des enfants. Et puis Jean Canevat, qui est ex-président, président d'honneur de l'UNAFAM, ex-président de l'Union nationale des familles et amis de malades psychiques. La proposition qui a été faite en une heure d'échange, c'était de vous donner successivement la parole par rapport, pour ne pas cadrer et figer la table ronde avec des questions qui auraient été préétablies, il s'agissait de contribuer au déroulement, d'assister un petit peu à ce qui se passait, de donner en 6-7 minutes chacune et chacun un petit peu votre point de vue sur là où on en est après ces échanges, ces analyses, ces réflexions et les travaux qui ont été présentés. Alors voilà, je vais peut-être donner la parole à Edwige Antier pour ce petit moment. Je vais être très bref parce que le temps de chacun est précieux. Moi, j'ai vraiment retenu la formule de Bernard Gold ce matin qui disait « la résidence alternée est souvent supportable, souhaitable, c'est une autre affaire ». Je trouve que cette expression est vraiment importante. Je voudrais dire aussi que j'ai été frappée par le petit dialogue autour de l'intérêt supérieur de l'enfant. Est-ce qu'on doit en parler ou modifier cette formulation ? C'est une formulation qui nous vient des Nations Unies et qui me paraît aggravée dans le marbre. Nous l'avons signée dans la Convention internationale des droits de l'enfant et nous ne pouvons pas déroger à cette notion qui doit nous guider l'intérêt supérieur de l'enfant. Je voudrais aussi dire que la parole de l'enfant, on ne l'a pas beaucoup entendue. On a l'impression que si on écoute l'enfant, on va peut-être lui donner trop de pouvoir. Moi qui suis pédiatre, je peux vous dire qu'on entend des choses vraiment très importantes dans un cabinet de pédiatrie et je pense qu'il faudrait former beaucoup d'intervenants à la parole de l'enfant. Oui, j'ai été députée. Alors quand j'ai vu arriver les propositions de loi pour la garde alternée en première intention, après contre la garde alternée qui devait être que en dernière intention, personnellement, bien sûr, je n'ai signé ni l'une ni l'autre, car vous rejoignant totalement et dans tous vos travaux de ce matin et de cet après-midi, j'ai fait une proposition de loi pour la médiation parentale, consultation obligatoire avant la séparation, avant de venir devant le juge aux affaires familiales, comme cela est fait au Québec. Et je pense que c'est la seule réponse qui fait comprendre que d'abord le problème c'est le conflit parental et qu'un enfant quand on lui dit tu sais on s'aimera toujours, on restera toujours des amis même si on s'aime différemment, on le détruit beaucoup moins qu'avec ces histoires de couper les jours, les heures, les maisons. L'important c'est le conflit parental. Donc au Québec, médiation parentale d'abord présentée avant d'aller chez le juge aux affaires familiales pour faire comprendre aux parents que tout est dans leur conflit, à apaiser, à retrouver un dialogue, à essayer de s'entendre, dans le sens direct, propre, s'entendre, pour que l'enfant ait l'impression que sa venue au monde a gardé un sens. Je pense que c'est vraiment dans ce sens-là que vont vos travaux. Robert disait que je pouvais évoquer mon dernier livre. Justement, il s'appelle « Il est où mon papa ?» parce que les statistiques montrent que l'on se sépare de plus en plus tôt avec des enfants de plus en plus jeunes. Et donc, la question est urgente.
Daniel Marcelli a proposé que l'on crée un comité de suivi des travaux qui ont été ainsi entrepris. Je crois que c'est vraiment important, si vous voulez, que le poids des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres, des médiateurs, des pédiatres pèse en face des différents lobbies dans tous les sens qui influencent les députés. Quand on est député, on reçoit des amendements, des propositions d'amendements que beaucoup de mes collègues, sans avoir l'expérience du sujet, vont faire en copier-coller ou signer sans être forcément avertis, en étant instrumentalisés. Donc il faut que vous aussi, avec tout ce que vous avez dit si important et cohérent, j'ai trouvé toute cette journée, eh bien, vous fassiez un comité de suivi pour pouvoir communiquer avec les parlementaires. Voilà, c'est très important. Merci. Merci Edwige. On peut demander à la personne présidente de l'association de venir, s'il y a une petite place au bout. Voilà, donc si elle est toujours là, je lui fais signe qu'elle peut participer à la table ronde. Alors, je vais donner la parole à l'avocate. Voilà. Médiation. Médiation, oui, voilà. Excusez-moi, je pensais l'avoir citée. Catherine Perel-Mutter, voilà, votre sentiment. Normalement, votre micro marche bien. Si vous pouvez éventuellement le retirer, ce sera plus facile. Voilà. Aujourd'hui, tous les pères, ou presque, sont des bons pères, et les mères sont des méchantes femmes qui cherchent par tous les moyens à les écarter. Ceci est une fausse croyance qui perdure dans notre société depuis de nombreuses années, et comme Albert Einstein disait, il est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome. La résidence alternée est un des modes de résidence de l'enfant lors de la séparation des parents, qui s'inscrit dans un ensemble de droits et de devoirs qui s'appelle l'autorité parentale. Un petit peu d'histoire. Cette autorité parentale conjointe a remplacé la puissance paternelle exclusive pour les couples mariés depuis la loi du 4 juin 1970. Les lois du 22 juillet 1987 et 8 janvier 1993 ont légalisé le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale dans le divorce, puis pour l'enfant naturel. La loi du 4 mars 2002 a institué la coparentalité et la mise en place d'une résidence alternée qui existait déjà dans la pratique et la jurisprudence depuis à peu près les années 1980. En 30 ans, on est passé du patriarcat à la peur du matriarcat pour en arriver à la coparentalité. Dès 2002, en fait, le juge pouvait ordonner une résidence alternée en cas de désaccord des parents, comme si la résidence alternée était le remède miracle du conflit parental et comme si le juge avait peur de trancher entre les pères et mères en évitant ainsi de laisser l'enfant au cœur du conflit. Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en compte différents critères qui sont fixés d'une part par la loi et d'autre part par la pratique. 6 critères sont fixés par la loi qui ne concernent pas uniquement la résidence alternée mais l'autorité parentale en général. Premier critère, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure. En général, le juge manque de temps pour apprécier le libre consentement des époux à ces soi-disant accords et parfois, et souvent même, des accords qui finalement étaient imposés par un époux à l'autre sont souvent entérinés par le juge. Deuxième critère, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388.1 du Code civil. Alors, les droits des enfants ont évolué puisqu'on est passé d'une possible audition à une audition de droit. Et effectivement, cette audition est encadrée.
Et le juge ne peut refuser cette audition que pour un motif particulier. Alors la pratique des tribunaux à Paris, c'est d'entendre les enfants à peu près à partir de 7 ans. Ce sont les juges aux affaires familiales donc qui les entendent. En général, assistés d'un avocat désigné par l'antenne des mineurs du barreau de Paris. Troisième critère, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Alors là, il y a des attestations réciproques. Mais alors, c'est très paradoxal parce que finalement, quand un parent essaye de montrer, de prouver que l'autre est inapte, parce que ça peut arriver, tous les pères ou toutes les mères n'ont pas toujours toutes les aptitudes possibles. Alors là, le juge, en général, interrompt l'avocat et dit « Mais enfin, là, vous êtes en train de disqualifier l'autre parent, comme si on ne pouvait rien dire. » C'est quand même assez paradoxal puisque c'est un des critères qui est fixé par la loi. Quatrième critère, le résultat des expertises. Alors là, c'est un peu une loterie et c'est vrai que les juges, chaque juge, surtout en matière de résidence alternée, a un petit peu ses idées, ses croyances. Et en général, l'expert qui est désigné n'est effectivement pas n'importe quel expert, mais en général un expert qui pense un petit peu la même chose que le juge. Cinquième critère, c'est la pratique judiciaire quotidienne que je fais dans mon métier. Cinquième critère, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales. Alors malheureusement, à l'heure actuelle, les travailleurs sociaux sont très influencés par les idées du syndrome d'aliénation parentale qui en fait n'est pas un concept scientifique reconnu. Il n'a même pas été classé dans la classification internationale des maladies mentales, le DSM-5. Et pourtant, c'est quelque chose qui embête beaucoup les familles devant les tribunaux et on a beaucoup de mal à montrer que parfois un enfant ne veut pas voir un père ou une mère parce que le père ou la mère se désintéresse ou parce qu'il est violent ou parce qu'il est alcoolique. Enfin, il y a des tas de raisons pour lesquelles un enfant ne peut ne pas vouloir voir son père. Depuis la loi du 9 juillet 2010, un nouveau critère a été ajouté. Ce sont les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercée par l'un des parents sur la personne de l'autre. Alors c'est un critère facultatif, comme les autres, et c'est vrai que maintenant, on commence un petit peu à changer de mentalité, c'est-à-dire qu'avant, un homme violent vis-à-vis d'une femme était toujours considéré comme un bon père, alors que maintenant, on commence un petit peu à voir émerger en justice l'idée qu'un homme violent à l'égard de son épouse peut être également un père violent, et en tout cas pas un bon père. Alors d'autres critères de la résidence alternée ont été apporté par la pratique, mais on s'aperçoit que peu à peu, il tombe en désuétude au profit d'une idéologie tout à fait égalitaire. Alors, ces critères sont la prise en considération de l'âge de l'enfant, la nécessaire proximité des domiciles des parents, la vérification de la disponibilité des parents et la nécessité d'une entente entre les parents. Puisque là, même maintenant, donc, et depuis donc 2002, même en cas de mésentente entre les parents, le juge peut ordonner une résidence alternée et en général se sert de la médiation pour essayer de concilier les parents. Mais c'est vrai que la médiation, ce n'est pas le remède à tout, notamment en cas d'ascendant, en cas de violence d'un des époux sur l'autre. Alors, les prospectives et l'avenir. Alors, régulièrement, des propositions de loi sont déposées à l'Assemblée nationale pour faire de la résidence alternée le système de résidence classique. Alors, quand on regarde l'exposé des motifs de ces propositions de loi, c'est assez pernicieux, puisqu'en fait, ce sont une minorité de personnes qui, finalement, tentent d'imposer un système. Et c'est vrai que dans ces propositions de loi, l'intérêt supérieur de l'enfant a bon dos. Alors, notamment, un nouveau délit est prévu, l'entrave à l'exercice de l'autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses. Et alors, on s'aperçoit que ce nouveau délit figurerait dans le même article concernant le délaissement d'un mineur de 15 ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité et qui est puni de 20 ans de réclusion criminelle. Alors que, quand même, il n'y a aucun rapport entre ce crime et un désaccord sur l'autorité parentale. Vous dites minorité, on va parler clair, vous pensez à qui? Quand vous dites des minorités imposent un petit peu leur point de vue, la révision de la loi... Je pense à des associations de pères qui, en fait, tentent d'imposer...
une loi qui finalement n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant, mais qui est dans l'intérêt d'un des deux parents, voilà, tout simplement. Alors, et puis on s'aperçoit aussi que la dégradation et la rupture du lien familial entre un enfant et un de ses parents n'est pas toujours la faute de l'autre et n'est souvent pas la faute de l'autre. De multiples raisons peuvent exister. Tous les pères ne veulent pas s'occuper de leurs enfants ou toutes les mères ne veulent pas s'occuper de leurs enfants. En fait, c'est à chacun d'affirmer son rôle, de s'affirmer dans le rôle qui est le sien, c'est-à-dire à sa place. Notre société, en fait, fonctionne comme s'il ne pouvait pas y avoir de mauvais parents. Avant, la mère était idéalisée et maintenant, c'est le père. Pourtant, nous sommes différents et je pense qu'en voulant éliminer toutes les différences, et notamment de sexe, parfois de génération pour d'autres projets, on a abouti à une démarche discriminante. La tolérance, c'est le contraire, c'est l'acceptation des différences. Et dans notre société, on veut de la parité partout, sauf, paradoxalement, pour le mariage. Je tiens quand même à rappeler qu'il y avait une autre contre-proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale le 14 décembre 2011, qui me paraît plus raisonnable et qui prend en compte notamment l'accord sur les choix éducatifs et l'âge de l'enfant pour fixer un mode d'hébergement, préconise d'écarter la résidence alternée en cas de conflit, d'absence de communication entre les parents sur les modalités d'hébergement et en cas de violence avérée. Pour terminer, parce que je voudrais être dans les temps, il est sans doute plus âpre pour un juge de prendre parti pour un des deux parents que de demander à l'enfant de supporter l'insupportable, c'est-à-dire de le sacrifier. Mais dans une société démocratique comme la nôtre, on ne sacrifie pas les enfants et même les êtres humains. Au contraire, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, rappelé par la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 février 1990, d'applicabilité directe en France, il conviendrait que les juges, les avocats, les experts et nos parlementaires se forment et s'interrogent pour ne plus manquer de respect à l'enfant. Et puis, comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Merci. Et Jacqueline Philippe, donc responsable de l'association L'Enfant d'abord, voilà votre regard sur le sujet d'aujourd'hui. Je pense que tout a été dit ou presque, donc je ferai juste quelques petites précisions. Monsieur Murat disait, que, à très juste titre, que la loi de mars 2002 ou la Convention des droits de l'enfant ne parle pas de résidence alternée, n'impose pas la résidence alternée. Cependant, dans le Code civil, comme elle vient avant, et là ça a été le sujet de débat, comme l'a dit Edwige Antier, elle arrive en définitive avant la résidence à un parent, et du coup les associations de droits des pères considèrent que c'est ce qu'il faut privilégier. C'est ce qui explique le fait qu'ils réitèrent régulièrement leur proposition de loi et qu'ils la mettent sur le bureau de l'Assemblée nationale. Je voulais aussi intervenir, on parle beaucoup de changement des pratiques parentales, de changement de société, les nouveaux pères. Alors il se trouve que j'ai deux fils qui sont plutôt nouveaux pères, que j'ai un gendre qui est plutôt ce qu'on appelle nouveau père, parce que j'imaginais nouveau père, et je me dis que je ne voyais pas tellement de différence avec les générations précédentes, si ce n'est qu'ils acceptent de changer une couche quand c'est nécessaire. Ces pères-là n'hésitent plus à montrer l'amour et l'affection qu'ils ont pour leur enfant. Mais enfin, j'ai voulu en avoir le cœur net et donc j'ai été fouiner les études sociologiques. Et là, quand même, on se rend compte que, nouveau père ou pas, il n'y a pas grand-chose qui s'est transformé en quelques décennies. La revue Centre d'analyse stratégique de 2012 qui s'appelle « Désunion et paternité » montre que l'implication aux soins aux enfants de la part des pères a augmenté de 5 minutes en moyenne en 10 ans. C'est quand même pas colossal. En 2011, il y a une étude de Brugère et Sébille sur le partage des soins parentaux, l'égalité de partage des soins parentaux. Bon, il s'avère qu'en 10 ans, c'est toujours de 2005 à 2009. En 4 ans, ce sont toujours les mères qui sont les principales actrices des soins aux enfants, des tâches parentales.
les pères arrivant en deuxième, et même quand les tâches parentales sont mieux partagées, ce sont les pères qui ont tendance à se désengager au fil du temps. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils seront de mauvais pères pour autant, mais il faut savoir raison garder aujourd'hui quand il s'agit de décider quand même du mode d'hébergement. Et moi, je suis plutôt concentrée sur les jeunes enfants. Il faut quand même, ce sont des éléments dont il faut tenir compte. Alors, les problèmes, on a vu aujourd'hui quand même que ces histoires de résidence alternée soulèvent de grandes interrogations, des débats quelquefois ou souvent passionnels. Je pense qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre, mais de savoir dans quelle mesure on peut partager la vie d'un être humain, enfant au cerveau immature de surcroît, en deux parties égales. C'est quand même ni anodin ni banal de partager la vie d'un être humain en deux parties égales. Donc il faut quand même savoir dans quelles sont les conditions requises pour que ça fonctionne au mieux. Mais ces problèmes posés ne sont pas seulement franco-français, on les retrouve partout, dans tous les pays qui ont inclus ce mode d'hébergement dans leur législation ou dans leur pratique sociale. Il y a quand même de la part de toutes ces études, aussi imparfaites soient-elles, des tendances qui se dégagent. C'est-à-dire qu'on considère que la résidence alternée pensée, ça c'est typiquement français d'ailleurs, comme disait Maurice Berger, c'est en France qu'elle est pensée systématiquement comme un 50-50, comme un partage très équitable, ce qui n'est pas tout à fait vrai ailleurs. Mais il y a quand même des tendances qui se dégagent, qui disent, bon, il faut tenir compte de l'âge de l'enfant, et le professeur Gold se l'a bien soulevé, et quand même qu'il y ait une communication suffisante entre les parents pour permettre, une entente suffisante entre les parents pour permettre une communication relativement fréquente et fluide. Alors, en ce qui concerne, je voudrais rebondir sur ce que disait ce matin Catherine Jousselme, moi, j'avais l'impression qu'elle nous décrivait quand même un petit paradis sur Terre, il suffit d'accompagner, etc. La pratique aujourd'hui quotidienne est quand même différente. Vous savez que notre justice manque de moyens, que la loi de mars 2002 ne contient aucun critère qui pourrait aider les magistrats à prendre les moins mauvaises décisions, si ce n'est les meilleures. Et moi, beaucoup de juges aux affaires familiales m'ont dit la difficulté de leur tâche. Ils ne sont pas assez nombreux. Ils ont, dans les plus grands tribunaux, 15 minutes à consacrer un dossier, ce qui est quand même très peu. Il n'y a aucun organisme, quand une résidence alternée est imposée, il n'y a aucun organisme qui va vérifier comment se passent les choses après, qui prend l'enfant en charge, etc. Or, dans la majorité des cas, pour les jeunes enfants, les pères ne prennent pas en charge eux-mêmes les soins à l'enfant. Ils les confient à la grand-mère paternelle ou à la nouvelle compagne. Est-ce que je peux avoir un tout petit peu d'eau, s'il vous plaît ? Donc, ce sont des éléments dont il faut tenir compte dans la pratique de tous les jours. Alors, en ce qui concerne les résidences alternées, voilà, excusez-moi, c'est les spots qui me dessèchent. Merci. Dans les résidences alternées, on a bien vu qu'il y avait les résidences alternées consensuelles, c'est-à-dire organisées de concert par les deux parents. C'est celles qui ont le plus de chances de fonctionner, où l'enfant se sentira le mieux. Il faut quand même savoir que les témoignages, nous, que nous avons eus de jeunes adultes élevés en résidence alternée, c'est quand même chaque fois la souplesse. Voilà, chaque fois, ils nous disaient, les deux parents étaient chacun très impliqués et il y avait de la souplesse. Alors que quand c'est imposé, ce sont des résidences alternées rigides et à ce moment-là, elles sont beaucoup plus nocives. Est-ce que c'est fréquent ? Alors, M. Murat a donné ce matin les chiffres de 2005. Moi, je vous donne les chiffres de 2009 qui sont sur le ministère de la sur le site du ministère de la Justice. À un an, moins d'un an, 1% des enfants étaient à la garde de leur père, 5% résidence alternée. À 2 ans, 12,6 étaient en résidence alternée. À 3 ans, 13,7. À 4 ans, 15,4. Et à 5 ans, 17,1. Ce qui veut dire quand même que jamais la résidence alternée n'est majoritaire, quel que soit l'âge. Mais pour les jeunes enfants, si elles ne sont pas majoritaires, elles ne sont quand même pas si rares que ça. Et donc là, il y a quand même un réel problème à ce niveau-là. Donc j'ai dit que les résidences alternées consensuelles étaient les meilleurs, mais je suis étonnée quand même de constater combien les parents qui se mettent d'accord pour partager leur bébé, entre guillemets, ne connaissant pas les besoins spécifiques d'un jeune enfant,
ne pense pas à coordonner les habitudes routinières de l'enfant. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut, ben c'est mon tour, je prends le bébé, j'en fais ce que je veux, je fais manger quand je veux, je le couche comme je veux. Bon. Et ça, c'est quand même embêtant, ils ne le font pas méchamment, ils ne le font pas pour embêter l'autre, ils le font simplement parce que ça ne leur vient pas à l'esprit. Et jusqu'à ce que l'enfant aille mal et qu'à ce moment-là, il réagisse. Et là, il y a deux réactions possibles. Soit le père accepte de modifier le rythme, parce que c'est souvent chez la mère que se produisent les symptômes de l'enfant, soit il accepte et à ce moment-là, il trouve un autre rythme, soit il n'accepte pas parce qu'il pense que c'est la mère qui manipule l'enfant. Et là, c'est le conflit assuré qui commence à se lever. Et puis, alors je fais un petit peu vite parce que M. Voyosopoulos nous presse un petit peu. En ce qui concerne les résidences alternées imposées, là, c'est les magistrats qui les imposent, mais c'est aussi, comme l'a dit Catherine Perel-Mutter, le père qui peut l'imposer. Entre le moment de la séparation et le moment de la première audience, il peut se passer 3-4 mois. Et à ce moment-là, les pères, et ce sont les associations de droits des pères qui donnent la recette, les pères peuvent imposer une résidence alternée pour que en se référant à l'article 373-2-11 de la loi de mars 2002 qui stipule « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie. » Donc les pères se disent « J'impose la résidence alternée et dans 3-4 mois, quand on passera en audience, le juge la validera. » Voilà. Et puis sinon, il y a les résidences alternées imposées par les magistrats. Alors, on voit bien la difficulté des magistrats, l'intérêt de l'enfant, ils ne savent pas, c'est indéfini pour eux. Donc, pour certains, l'intérêt de l'enfant, c'est d'être soumis tout petit. Et, moi, j'ai vu à 14 mois, par exemple, des résidences alternées hebdomadaires, en plein conflit parental, avec vraiment un conflit aigu, et le magistrat argumente la résidence alternée parce que les parents sont extrêmement en conflit. Et puis un autre fera exactement le contraire. Donc là, je pense aussi qu'il y a des choses à faire pour aider les magistrats. Enfin, en tout cas, pour les magistrats ne connaissent que le droit. On leur demande de faire dans la pédopsychiatrie, finalement, quand il s'agit de jeunes enfants. Et puis, je voudrais dire quelques mots sur les législations étrangères. Maurice Berger a bien dit ce matin que la Californie avait amendé sa loi en 1994. Elle a été le premier pays à faire une loi un peu comme la nôtre, en privilégiant la résidence alternée et la garde physique conjointe. Et devant les mêmes méfaits que nous constatons, elle l'a amendé en 1994. Pour que la garde physique partagée soit vraiment un choix librement consenti, c'est bien précisé, consenti des deux parents, et le 50-50 n'est pas la norme. Sur l'ensemble des USA, M. Berger l'a dit ce matin, alors que ce pays connaît depuis 30 ans plus de 30 ans ce mode d'hébergement, la garde alternée, la garde physique conjointe ne concerne que 14% en moyenne de situation. On dit toujours que dans les pays nordiques, alors ça je tiens à le dire parce qu'il y a eu des tas de rumeurs et de désinformations faites sur ce sujet, que dans les pays nordiques, ils sont au top, bien en avant, beaucoup plus progressistes que nous le sommes. Dans tous les pays nordiques, si les parents ne sont pas mariés, la mère seule a la garde exclusive, c'est-à-dire l'autorité parentale exclusive, sauf accord différent des parents. Et en ce qui concerne la garde physique conjointe, la Suède a pris ses distances depuis longtemps avec ce système. Le Danemark a légiféré il y a un an, en février 2012, pour que le 50-50 ne soit plus imposé. En Italie, l'Italie a inclus dans le droit italien la résidence alternée, la mesure de résidence alternée en 2006. Mais les magistrats restent quand même encore très, très réservés. Ont été retenus, disait Ségolène Perrin, ont été retenus comme motif de rejet la mésentente des parents, l'âge de l'enfant ou la distance entre les domiciles des parents, quand bien même cette distance serait minime. Et elle cite un exemple de 12 kilomètres. En Espagne, c'est encore beaucoup plus restrictif. La fixation de la résidence de l'enfant en alternance chez chaque parent résulte d'un accord de ceux-ci. Le juge ne peut l'imposer à la demande d'un seul parent que dans des circonstances exceptionnelles et doit alors obtenir l'avis du procureur.
En Suisse, il en va de même. En Suisse, il n'y a que les parents divorcés qui peuvent, et s'ils sont d'accord tous les deux, qui peuvent instaurer une résidence alternée, si on ne peut pas l'imposer. Et au Canada, la législation canadienne n'indique pas précisément, ne fait pas de présomption de garde physique conjointe, alors que beaucoup de magistrats sont, enfin, certains magistrats sont idéologiquement, mais comme chez nous, en faveur de ce système. Le pays où il y en a le plus, c'est toujours là, enfin, le 50-50 est toujours minoritaire, et le pays où il y en a le plus, c'est le Québec. Mais au Québec, il y a une spécificité, c'est que là, les pères sont très, très impliqués dès la naissance de l'enfant, dans les soins à l'enfant. Mais ça ne représente que 20% à peu près des cas. Et au Québec, au Canada, je veux dire, on laisse les jeunes enfants le plus souvent à la garde de leur mère. Il y a une revue qui est, c'est intéressant ça pour nous tous, il y a une revue qui s'appelle « Divorce, séparation, être attentif aux besoins de votre enfant », qui émane du Centre d'excellence pour le développement des jeunes enfants et du réseau stratégique des connaissances sur le développement des jeunes enfants, qui donne un certain nombre de conseils aux parents qui se séparent, dont pour les enfants de 0 à 3 ans, de privilégier, de préférer les visites courtes mais fréquentes aux visites qui incluent des nuits chez l'autre parent. Alors, ce que je voudrais terminer en disant qu'il y a des solutions, ce qui est assez exaspérant, j'avoue, pour ma part, c'est de toujours voir opposer résidence alternée à week-end sur deux. Mais il y a des tas de solutions intermédiaires. Moi, j'ai des pères qui m'appellent, qui par exemple, accompagnent tous les matins l'enfant à l'école, d'autres qui le prennent à midi, parce qu'ils ont... Enfin, je veux dire qu'il y a des tas de possibilités intermédiaires pour exercer une parentalité efficace, sans avoir besoin d'être sur un 50-50 ou d'être qu'un week-end sur deux. Voilà. Merci. Jean Canevas, votre remarque, je ne sais pas si il est en marche, donc je préfère que vous preniez le micro. Et puis, je vais demander à deux jeunes psychologues si elles veulent bien venir pour éventuellement les questions dans la salle. On aura 5-10 minutes. Hein? Merci. Ils sont ici. Bien, voilà, merci. Jean Canevas. Merci. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi... L'UNAFAM, qui est spécialisée dans la psychiatrie, est intéressée par vos travaux, mais je vous confirme que je me sens très très proche de vos préoccupations. Évidemment, c'est psychopathologie. Hein. Chez moi, j'ai présidé pendant 13 ans une association qui représentait 45 000 aidants. Alors, c'est pas des aidants qui divorcent. C'est pas parce qu'ils divorcent qu'ils viennent à l'association, c'est parce qu'ils sont confrontés à la maladie psychique chez un proche. Et comme vous savez, c'est un séisme familial qui provoque des divorces. C'est l'inverse. Mais l'approche est assez... Enfin, les valeurs sont les mêmes, la sensibilité est la même. Alors, si je peux me permettre, après vous avoir écouté, avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Je vais essayer de vous faire quelques remarques un peu de l'extérieur, parce que ça vous permettra d'avoir un regard extérieur. Je trouve que vous êtes très centré sur l'enfant et sur les parents à problème. Alors, je sais que la résidence alternée, c'est la liaison entre les deux, mais vous savez qu'il existe aussi des parents qui sont tout à fait attentif, correct, etc. Je me demande si, à force de somnubiler sur ce qui est du ressort de la justice, vous ne passez pas à côté des 80%. Vous savez, nous, quand on gère des entreprises, on fait toujours attention aux 20-80. Ben, il y a 80% quand même des problèmes qui se passent bien, et vous auriez peut-être intérêt à étudier aussi quand ça marche bien. Parce que on ne motive pas des gens avec des contentieux juridiques, on motive des gens en leur donnant des conseils pour que ça marche bien. Et vous avez un rôle considérable, hein, parce que moi je peux vous dire que quand nous rencontrons une psychose, ça arrive soit à la naissance, soit au moment de l'adolescence, on est perdu, mais vraiment... Vous n'imaginez pas ce que c'est l'horreur absolue. On est remis en cause par quelqu'un que l'on connaît,
avec qui on a des relations tout à fait positives, et voilà que la personne a des troubles et on ne la reconnaît plus. Elle vous pose la question, mais pourquoi tu m'as fait comme ça? C'est psychologiquement, c'est quelque chose, c'est inadmissible que notre pays ne fasse pas aider les aidants. Je vous assure, c'est scandaleux. Les Canadiens dont on parlait tout à l'heure, eux, ils ont toute une équipe. Quand on reçoit quelqu'un à l'hôpital, on reçoit en même temps les proches et on les assiste pour éviter justement le drame du divorce. On anticipe. On n'attend pas qu'ils aient divorcé pour s'en occuper. Vous voyez, il y a une espèce d'anticipation qui voudrait dire que vous vous occupez du problème, pas simplement quand il y a des difficultés, mais avant. Alors, dans cette optique-là, je confirme que les troubles psychiques viennent très souvent après une période ce que Philippe Jamais appelle l'insécure. C'est vrai que, quelque part, l'insécurité de la petite enfance, on la retrouve, nous, dans des problèmes massifs. Surtout quand il y a la perspective de drogue qui vient s'ajouter. Ça, c'est... Bon. Après, la continuité relationnelle. Je vous assure, vous devriez valoriser ça parce que c'est une découverte. Et les gens ont besoin d'être aidés. Dans la continuité relationnelle, ça se fait pas comme ça. C'est presque un métier. Moi, je suis très frappé par l'individualisme courant où on confond absolument désir et besoin, par exemple. Ça crève les yeux. Les gens, ils savent plus où ils sont et voilà. Bon, donc après, la résidence alternée. Vous savez, pour nous, ce que c'est la résidence alternée, il y en a trois. Il y a l'hôpital, il y a le domicile de la famille et il y a le logement autonome. Et nous, on fait des résidences alternées en passant de l'un à l'autre, tout doucement, avec beaucoup d'égards, en faisant attention, en testant, parce que ça ne marche pas à tous les coups. Il y a l'angoisse. Quelqu'un parlait tout à l'heure de l'angoisse. C'est vrai que quand il y a trop d'angoisse, on récupère, etc. Bon, j'ai travaillé avec le président de séance un petit peu. Il y a plein de choses dans la psychopathologie qui pourraient servir à l'enseignement pour la non-pathologie. C'est évident. Il y a un problème, c'est que vous avez beaucoup de difficultés à travailler avec des associations de parents parce que l'enfant, il ne reste pas enfant tout le temps. Il grandit, et alors que nous, comme on est confronté à des maladies chroniques, on en a pour 40 ans et on a le temps de se former. En principe, il faut 5 à 10 ans pour se former à la psychologie un peu lourde. Vous voyez, ça veut dire qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un travail avec des aidants dans notre genre, parce que on connaît les problèmes dans la durée, quoi, dans la continuité. Voilà, c'est ce qu'on a commencé à faire, et je crois qu'il y a un enrichissement formidable. Juste quelques mots pour vous dire les orientations actuelles. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Donc, il faut qu'on ait des solutions qui soient imaginatives, avec des innovations. Alors, je vous en signale une qu'on est en train de mettre en place, qui marche très bien, parce que le vrai problème, c'est la détection quand ça ne marche pas, même dans une famille. Un enfant qui est maltraité, qui va prévenir? Alors, il faut absolument qu'on travaille ensemble sur la question de la veille. Nous, on considère qu'il y a des techniques de veille qui marchent très bien avec des bénévoles. Il y a des psychologues qui supervisent les bénévoles. Les bénévoles visitent, les gens pour voir, simplement, pour sympathique, quoi, pour créer de la relation. Le principal problème de beaucoup de couples, c'est l'isolement, vous le savez bien. Bon, donc, créer de la relation avec des bénévoles. Il y a des psychologues qui regardent. Quand il y a un problème, ils interviennent avant, en prévention. Et cette idée de veille, les petits frères des pauvres, par exemple, le font pour les personnes âgées et pour l'exclusion. Ça marche remarquablement. Ça coûte pas cher. Vous êtes concentré sur votre métier, sur votre spécialité, et vous avez des gens qui vous détectent. Et je vous signale que les élus sont en train de prendre la méthode avec les conseils locaux de santé. C'est le maire qui convoque. Il met des veilleurs dans les immeubles où il risque d'y avoir des problèmes, des jeunes en déshérence, etc. Ils veulent être informés. Et ils disent aux veilleurs, dites-nous quand ça ne va pas, nous on va intervenir, etc. Vous voyez, il y a toute une approche, parce que j'entendais tout à l'heure des gens qui demandaient, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est vous, je crois. Bon, il y a plein de choses à faire,
mais en anticipation, et pas simplement en se mettant à la place du juge. Moi, je connais bien les problèmes des juges, pour la loi de 90, par exemple, sur les soins sans consentement. Je l'ai négocié avec un peu contre les psychiatres, faut être honnête. Mais bon, nous, quand ça va très très mal chez les aidants, il faut bien qu'il y ait des soins sans consentement. Bon, donc on a négocié ça, mais c'est quand même minoritaire. Tout le vrai problème, il est avant. Il n'est pas uniquement pour aider le juge. Il faut aider d'abord les aidants. Merci pour ce que vous pourrez faire. Merci. Alors, on va vous passer la parole, mais je voudrais, et on la passera après à notre collègue de l'association de médiation familiale, étudier ce qui marche, Jean Canevas, d'accord, et je pense qu'on insiste beaucoup sur effectivement les situations de conflit, les situations de contexte anxiogène et pathologique pour les enfants. Est-ce que c'est pas ça, dans le fond, qui fait que, mais je m'adresse à tout le monde, enfin aux quatre intervenants pour l'instant, est-ce que c'est pas ça qui est revendiqué d'une certaine manière par les associations de pères qui disent que n'est jamais mis en avant la situation de coparentalité qui est favorable et à laquelle on les empêche d'accéder? Alors, d'une certaine manière, les médias sont assez aujourd'hui orientés. On voit l'accent qui est porté, en tout cas, c'est bien mis en valeur par ces pères qui ont des manifestations très fortes. Les médias n'aiment que les problèmes, hein. Ça, faut le savoir. Chez nous, il faut qu'il ait tué père et mère pour que ça passe en médias. Non, non, c'est avant. Il n'y a pas que le drame, excusez-moi, mais oui, ne comptez pas trop sur les médias, faisons un boulot de fond avec les professionnels de terrain, vous verrez, ça, c'est beaucoup plus efficace que de passer par les médias. Tout à fait d'accord. Vous pouvez avoir une réaction sur cette question quand même des associations personne de pères qui ne sont, sont pas présentes, mais quand vous dites que la résidence alternée n'est pas souhaitable, se pose quand même la question de la résidence principale. Et c'est sur ce point-là que, d'une certaine manière, les positions sont mises en échec. Donc la revendication aujourd'hui qui n'a pas été exprimée de ses pères, est-ce qu'on peut éventuellement... Un père qui veut s'investir dans sa fonction paternelle, personne ne l'empêche. Hein. Enfin, sauf exception d'une mère qui serait complètement malade, pas sur le plan pathologique, mais sinon, en général, les mères sont contentes quand un père veut s'investir dans sa fonction paternelle. Au contraire, tout le monde est très content. Ce n'est pas un problème individuel. Il ne faut pas que ce soit un problème individuel. C'est un problème collectif. Et l'association de pères qui ont envie d'aider les autres pères, ça, c'est ça qui marcherait. Oui, ceci dit, qu'on leur donne des conseils. Moi, je pense qu'autrefois, les pères étaient vraiment... le parent pauvre, on considérait qu'ils étaient sans importance pour un enfant, qu'ils n'intéressaient pas aux enfants. Ceci n'est plus du tout vrai. Aujourd'hui, la majorité des pères ne réclament ni la résidence alternée, ni la résidence principale. Ils ne réclament même pas un droit de visite et d'hébergement élargi. Donc, ils se contentent du week-end sur deux. Quand un père, dans l'ensemble, il y a des exceptions, bien évidemment, mais dans tous les sens, mais quand un père, aujourd'hui, réclame la résidence alternée, il obtient au minimum un droit de visite et d'hébergement élargi. Donc, il faut se méfier des associations de droits des pères. D'ailleurs, moi, je voudrais rebondir sur cette histoire de grue, parce que le père qui était sur sa grue, c'était quand même quelque chose de préparé, de fomenté. Il a été, il ne voit plus son fils, parce qu'il ne veut plus le voir, il a été condamné parce qu'il a tabassé son ex-conjointe, il a kidnappé son fils par deux fois, une fois 15 jours, une fois 2 mois et demi, ou 1 mois et demi, 2 mois et demi, enfin, je ne sais plus, et il a perdu l'autorité parentale conjointe, ce qui est l'autorité parentale tout court, ce qui est une mesure, mais excessivement rarissime, c'est rarissime. Excessivement rare et rarissime. C'est-à-dire même le père en prison, même le père qui tue la mère sous les yeux de l'enfant n'arrive pas à perdre son autorité parentale. Donc ce père sur sa grue, les journalistes ont été très imprudents parce qu'ils ont pris fait et cause. Et ce qui les a fait bondir, c'est même pas l'histoire de ce type, c'est qu'il ait tenu des propos misogynes sur nos ministres femmes en descendant. Heureusement, sinon il passait pour le martyr du siècle. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Et ce n'est pas assez. Ces associations de pères sont reliées par Internet au monde entier et elles prennent toujours le même type. Au Canada, un même type qui avait été interdit d'approcher femmes et enfants par la justice avait bloqué le pont Jacques Cartier. Donc je pense que ces associations de pères ne représentent pas la majorité des pères. Ils représentent une minorité
qui est pas la meilleure, qui est pas, même s'il se camoufle derrière des pères qui sont authentiquement victimes, c'est certain, mais c'est quand même pas la majorité des pères, et je crois qu'il faut pas se fier à ce qu'ils racontent. Ils désinforment en permanence. Si je suis leur ennemi public numéro un, c'est qu'il y a des raisons. Non, mais c'est pas cette association-là que j'ai défendue, hein. On est bien d'accord. Non, mais bien sûr, mais c'est eux qui se plaignent. Question dans la salle. Oui. Moi, je voudrais rajouter que c'est vrai qu'il y a des pères qui ont le cœur brisé dans la séparation. Et donc, on peut les entendre aussi. Simplement que je leur dis toujours que c'est plutôt en apaisant leur relation avec leur compagne, exactement, qu'ils ont des chances de voir leur enfant, et de plus en plus, parce que ça sera, c'est vrai, bien commode pour la mère aussi, à partir du moment où il n'y a pas de conflit. Et ce matin, quelqu'un parlait, je crois que c'était Berger, que lorsqu'on confie son enfant à la grand-mère, par exemple, souvent les mamans disent « je ne veux pas le laisser une semaine chez son père, je vous laisserai une semaine chez votre mère ». Oui, mais là, il n'y a pas de conflit. Donc, c'est vrai que c'est toujours le conflit qui crée le problème. Et j'essaie de l'expliquer. Et c'est pour ça que l'association de médiation, ça me semble si important. On va vous donner justement la parole, que vous nous en disiez un peu plus. On vous a beaucoup cité aujourd'hui, hein. Vous devenez une profession au centre. Dites-nous quand même en quoi ça consiste, votre formation, qui vous finance. Je vais revenir. Juste avant, pour revenir justement ce que vous disiez sur l'intérêt de la médiation familiale, hein, non pas, on dit familiale, non pas parentale, pour tous ces parents en situation de séparation, pour qu'ils anticipent et réfléchissent le plus en amont possible. C'est vrai que ça a du sens, ça. Et c'est ce qui je trouve a un petit peu manqué aujourd'hui dans le déroulement de la journée, c'est de repartir un peu de la compétence des parents. Je pense que c'est important de travailler à partir de leurs compétences, et c'est actuellement les professionnels du champ social et de la santé s'appuient sur cette compétence parentale. Je pense que maintenant on sait que c'est à partir de là, avec eux, et ce sont eux les parents des enfants, et ce sont eux qui vont les éduquer et les élever. Donc c'est eux les premiers concernés et les premiers qui doivent savoir ce qu'il faut, ce qui est bon pour leur enfant. Avec l'aide des autres professionnels, certes, mais ce sont eux les premiers. Ensuite, revenir juste sur le conflit, parce qu'on présente cette dichotomie, résidence alternée, c'est possible à partir du moment où il n'y a plus de conflit. Donc il faut résoudre le conflit, donc envoyer les parents en médiation familiale. C'est pas si simple que ça, Gérard Néron l'a bien dit ce matin, ce sur quoi il faut réfléchir, c'est en quoi le conflit conjugal et parental intervient dans la relation du parent avec l'enfant, et en quoi elle empêche le parent d'avoir une relation saine avec son enfant, ou intelligente, ou en coéducation. C'est un peu rêver de se dire que les parents, ils vont se séparer, ils seront plus en conflit. On n'est pas dans un monde de bisounours, c'est pas vrai. Le conflit, il existe. Il faut juste que les parents l'aient travaillé, l'aient compris, l'aient dépassé, ou sachent faire la part des choses entre ce qui relève de leur rôle éducatif parental et de leur histoire conjugale. Alors, la médiation familiale, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, depuis les années 70-80. Ça vient effectivement du Canada et des États-Unis. C'est maintenant une profession à part entière. Les médiateurs familiaux sont diplômés d'État. Ils exercent soit en libéral, soit dans des associations. Les associations, pour la plupart, certaines sont donc indépendantes, mais pour la plupart ont signé des conventions avec la CAF, car la médiation familiale est une prestation de service CAF. Donc qui a mis en place des règles de fonctionnement avec un barème, c'est subventionné, les parents ont un tarif en fonction de leurs revenus qui leur permet à tous d'accéder à ces entretiens de médiation familiale, et quand ils ont l'aide juridictionnelle, c'est d'ailleurs pris en charge par l'aide juridictionnelle. Donc ce matin on parlait de l'institutionnalisation de plus en plus importante de la médiation familiale, avec les expériences pilotes dans certains tribunaux qui essaye de mettre en place justement ces entretiens d'information préalables aux audiences. Non pas médiation familiale obligatoire, car c'est pas forcément évident, et ça n'a pas de sens d'obliger des personnes à se rencontrer en médiation. Mais les informer, de les inviter à aller s'informer sur la médiation comme proposition de réflexion ou d'amélioration de leur relation et de leur construction de parents.
Donc, quand le juge recommande la médiation familiale, alors, un couple, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs possibilités. Déjà, la majorité des personnes vont faire une démarche de médiation familiale orientée par une assistante sociale, un médecin, un pédopsychiatre, la PMI, l'école, dans le cas de la réussite éducative, un enfant a été décédé avec des difficultés, voilà. D'autres vont y aller spontanément parce qu'ils ont décidé de se séparer et qu'ils ont entendu parler de la médiation. Ensuite, dans le cadre judiciaire, le juge a sa possibilité a deux possibilités à sa disposition, de soit d'ordonner une médiation familiale après recueil de la vie des parties. Donc, il leur demande s'ils sont d'accord pour faire une médiation familiale, et en cas d'acceptation, le juge va désigner un service et la médiation familiale sera ordonnée. Ou alors, il peut les enjoindre à aller se renseigner sur la médiation familiale, ce qui a un caractère obligatoire. Les personnes sont obligées d'aller s'informer sur la médiation familiale, libre à elles après de poursuivre ou pas. Et troisième chose qui est à titre expérimental pour l'instant, troisième dispositif, serait de proposer aux personnes un entretien d'information sur la médiation familiale préalable à l'audience, sachant qu'en même temps que est fixée la date d'audience et que les personnes reçoivent leur convocation pour l'audience, ils reçoivent en même temps une convocation, entre guillemets, parce qu'elle est facultative, à un entretien d'information sur la médiation familiale, disons 2 à 3 mois avant la date de l'audience, pour leur permettre justement de mettre en place cette médiation avant de passer devant le juge. Et ça, c'est à titre expérimental. Le bilan va être fait et ça sera généralisé ou pas. Question dans la salle. Juste pour ajouter, en général, allez-y. Quand le juge enjoint les parents à aller voir le médiateur familial, ils y vont pour ne pas se faire mal voir par le juge, de toute façon. Même s'ils n'ont pas l'intention de faire la médiation par la suite. Et même quand c'est ordonné, le juge va leur demander « Êtes-vous d'accord ?» Ils ne vont pas dire non devant le juge, c'est évident. Mais on les voit une fois, et si ça ne leur convient pas, ils ne reviennent pas. C'est de toute façon. Peut-être l'un, ça peut convenir, et l'autre, ça ne convient pas. C'est-à-dire qu'il suffit que l'un mette en échec la situation de médiation pour que ça ne puisse pas se poursuivre. Et puis quand même, la médiation, ça ne convient pas quand il y a une situation de violence dans un couple. Ça ne marche pas du tout, là, par contre. Ou un dominant, un dominé. Un dominant et un dominé, oui, ça ne marche pas. D'accord. Disons que même la médiation familiale, je vais vous répondre après, n'est pas possible quand il y a violence conjugale avérée et emprise de l'un sur l'autre. Question là. La répartition du sexe, oh là là, ça doit bien être à 90% des femmes. Mais les juges d'affaires familiales aussi. Hein. On pourrait poser, Daniel Marcelli, on pourrait poser la même question sur les études qui nous ont été présentées ce matin et cet après-midi, et puis sur les juges d'enfants, et puis sur les avocates. N'est-ce pas un problème? Je répète ce que dit Daniel. C'est une féminisation des professions. Il y a plus de femmes que d'hommes. Si, j'avoue que c'est parfois difficile pour certains pères en entretien de médiation familiale d'être avec la conjointe ou l'ex-conjointe et la médiatrice familiale qui parfois en plus a une stagiaire à côté d'elle. Donc il se retrouve avec 3 femmes autour de lui et c'est vrai que c'est à nous d'être très vigilant, mais ça fait partie du cadre aussi et de notre déontologie. Non, mais ça marche quand même. Faut pas exagérer. Mettez pas les problèmes avant les solutions. Ça marche très bien. Et oui, merci. J'approuve totalement cette approche. Moi, j'ai été juge au tribunal de commerce, je vous assure. Quand il faisait une médiation, ça se passait beaucoup mieux que devant le tribunal. C'est obligatoire. Qu'est-ce que vous voulez? Quand les gens choisissent le médiateur, Il y a la moitié du travail qui est fait. Bon, et c'est difficile, l'humain. Ça ne se décrète pas. Un médiateur, c'est excellent, je vous assure. Travailler la question sur le plan théorique, vous, les psychologues, mais c'est une solution. Il y a trop de blocages dans cette société. Il n'y a pas assez de médiateurs. Et les gens, encore une fois, ne savent pas, ne comprennent pas ce qui leur arrive. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas médiation familiale ou... travail des psychologues et tout, c'est pas exclusif l'un de l'autre. Tout ne peut pas se décider en huis clos de la médiation familiale, c'est pas vrai. Et je vous ferai bien part de ma pratique qui est intéressante au niveau de la résidence alternée, avec justement la majorité des personnes que nous recevons, on les voit souvent avec la revendication de la part des pères, et généralement, pour justement
une résidence alternée. Ils arrivent en premier entretien avec cette idée dans la tête. Et au cours des séances de médiation familiale, avec un travail qui est fait, cette demande, elle disparaît. Parce que la réalité concrète et pratique, les échanges font que, ben, finalement, on va trouver un autre type d'organisation qui ne sera pas paritaire, mais qui conviendra mieux. Parce que les jours ne sont pas égaux dans une semaine. Parce qu'on se rend compte qu'avoir un enfant le mardi soir, s'il n'y a pas école le lendemain, ou le vendredi soir, c'est beaucoup plus important qu'un lundi avec en rentrant à 9h du soir. Et c'est ce travail de réflexion qui va amener à sortir des positions et des positions tranchées qu'on a au départ parce qu'elles sont aussi idéologiques ou vindicatives, revendicatives par rapport à l'autre dans son affirmation, dans son conflit. Merci. Une question dans la salle. Oui, en amont de la médiation, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de la possibilité des thérapies familiales en amont et qui permettent parfois d'éviter des malentendus et de gérer pas mal de petits conflits avant qu'ils ne dégénèrent. Oui, mais tout à fait, madame, ça c'est absolument exact. Même pour la psychiatrie, ça marche très bien. Et les thérapies familiales, ça décoince un certain nombre de choses. Je l'assure, je confirme qu'ils arrivent avec plein de problèmes et ils repartent. Bon, ben, les problèmes sont toujours là, mais on sait comment les prendre. C'est tout différent, hein. Bien sûr. Les thérapies familiales ou le conseil conjugal, ce serait pour éviter que les couples se séparent. Mais là, on est bien en amont de la résidence alternée. Bien en amont. Mais je crois qu'il faut quand même en parler aussi, parce que c'est les préalables. Hein. Mm-hmm. D'autres questions? Daniel va avoir la parole dans 5 minutes. Donc, voilà. D'autres questions dans la salle? Est-ce qu'on refait un dernier petit tour de parole par rapport à ce qu'on a abordé aujourd'hui? Et peut-être dans une perspective ou une ouverture, donner une suite, faire en sorte que cette journée ne se ferme pas avec notre départ. Mais voilà, quelle perspective vous avez éventuellement pour qu'on avance à des niveaux différents, y compris sur le plan social, juridique, institutionnel? Voilà, vous pouvez... Enfin, moi, si, perspective, ce que je verrais, c'est justement l'intérêt du travail multipartenarial et de la concertation des différents professionnels. On se rend compte, je pense aux juges aux affaires familiaux qui sont souvent débordés, très peu de temps pour traiter des dossiers qui sont un peu isolés. Cet apport aujourd'hui des professionnels du champ psycho-médico-social et je trouve est très riche et très vaste, et c'est ça qui alimente la discussion et qui fait que chaque professionnel ne va pas se déterminer simplement en fonction du petit aspect et vision des choses qu'il a, parce que voilà, une vision un peu plus systémique, je pense, serait assez nécessaire. Oui, je voudrais rajouter à ça que dans la loi telle qu'elle est, avec les magistrats qui on dit les magistrats ordonnent selon leur sensibilité, ça a des effets délétères. C'est-à-dire que moi je le vois, des pères par exemple appellent ou vont sur dans des associations de pères en disant oui, mais un tel a obtenu la résidence alternée pour son bébé qui avait 6 mois ou 12 mois, moi je veux absolument l'avoir. C'est-à-dire que le fait que, je ne sais pas si c'est Madame Zaouche-Gaudron, je ne sais plus qui ce matin parlait de ne pas rigidifier le système. Alors en effet, il faut laisser une marge, d'abord parce qu'il y a des mères qui sont pathogènes, il y a des pères qui sont pathogènes, donc je pense que il faut laisser une certaine marge aux magistrats, mais qu'il soit, s'il y avait quand même une cohérence par rapport au plus grand nombre dans les décisions judiciaires concernant les jeunes enfants, puisque c'est ma préoccupation principale, je pense qu'on aurait moins de revendications derrière de pères. Ils sauraient que pour les jeunes enfants, c'est comme ça, c'est comme ça. Il ne resterait plus qu'à leur prouver, s'ils ont affaire à une mère qui a un lien pathogène avec son enfant, à en faire la preuve. Donc ça restreindrait un petit peu ça désengorgerait un petit peu les tribunaux de la famille s'il y avait quand même une certaine, si les pères pouvaient se dire, bon, il a mon bébé à 6 mois, 1 an, de toute façon, c'est ce que je peux espérer, pas plus. Voilà. Et je pense que c'est déjà, ça simplifierait un certain nombre de choses. Merci, Catherine. Je pense une que question. Les juges... Oui, oui. Non, c'est pas une question, c'est une remarque, Pierre Murat.
Je pense qu'il y a une profession qui est représentée d'ailleurs sur le plateau, sur laquelle il faut compter aussi pour être le relais, me semble-t-il, d'une culture qui est celle dont la médiation a été porteuse et qui nous montre les progrès que l'on peut faire. C'est la profession d'avocat, parce que si on part avec une profession qui met le feu quand il y a un différend entre les parents, il est évident qu'on récupère ensuite trop tard les choses. Tout a flambé, tout est à feu et à sang. Et à ce moment-là, même la médiation a beaucoup de mal. Si en revanche, la profession d'avocat, et c'est un effort qu'elle a fait, essaye, et que le barreau de famille qui s'intéresse aux droits de la famille, essaye d'être raisonnable, et il y a des avocats qui sont aussi médiateurs, essaye d'aboutir à des solutions qui sont concertées. Je pense à la collaborative law, je pense même à la procédure participative qui, dans notre droit français, a été récemment introduite il y a 2 ans. Alors, évidemment, on est dans cette démarche d'anticipation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on n'est pas sur un contentieux très violent. Chacun des avocats des parents essaye de calmer le jeu, essaye d'aboutir à une solution qui peut être complétée ou non, d'ailleurs, par la médiation, selon les résultats qu'ils arrivent à obtenir. Et je crois quand même qu'en l'espace d'une dizaine d'années, sur ce terrain, on a fait de gros progrès. Sans doute y a-t-il encore des progrès, d'ailleurs, à faire dans ce domaine-là. Mais je trouve que c'est petit à petit une culture qui se met lentement, mais qui se met tout de même en place, et grâce notamment à l'esprit de médiation qui peu à peu s'est insufflé. Je vais répondre très vite. Encore une parole dans la salle et puis je vous la donne. Voilà. Oui, je voudrais poursuivre dans l'idée de la possibilité des médiations, parce que j'en ai découvert une par hasard. Dans les demandes de consultation en pédopsychiatrie, qui sont très nombreuses, j'avais instauré des groupes de consultation et de parents ayant des problèmes dans le cadre du divorce. Et cette formule qui avait été mise au départ pour résoudre un problème de liste d'attente est devenue une formule thérapeutique intéressante, parce que des choses s'échangent entre les parents qui s'étayent entre eux et qui peuvent, ils sont présents avec leurs enfants. Donc c'est d'abord les enfants qui parlent de leurs problèmes, hein, des situations qu'ils rencontrent, et ensuite les parents qui sont là. Et on voit des choses extrêmement compliquées, y compris des parents très en conflit, je pourrais citer des observations, qui finissent par venir à deux dans ce cadre, dans la mesure où on leur précise qu'on ne réglera pas leur conflit à eux, mais qu'on va parler de ce qui se passe pour leur enfant. Et je crois que cette formule de groupe est une formule qui pourrait aussi permettre des médiations intéressantes. Dans le cadre d'un CMPP. Dans le cadre d'un CMP. D'un CMP. Merci. Oui, je voudrais répondre au professeur. Moi, je suis formée au processus de médiation et au processus de droit collaboratif. Mais je crois que la plus grande violence, c'est quand les gens ne restent pas à leur place. Et c'est vrai que quand on est avocat et qu'on défend une femme ou un homme ou un enfant, notre déontologie veut qu'on le défende. Alors évidemment, dans le respect des règles déontologiques. Mais il est essentiel pour chacun des partenaires. C'est comme si un avocat doit rester avocat. Et même si évidemment, je tiens toujours... Comme j'ai défendu en premier lieu beaucoup d'enfants, je fais toujours attention à l'enfant quand je suis avocat de la mère ou avocat du père. Mais il ne faut surtout pas changer de place, parce que je crois que c'est là la plus grande violence. Et quand on voit certains juges qui jouent au psychologue ou certains avocats qui sont les thérapeutes, je trouve que c'est n'importe quoi. Et c'est là où il n'y a plus de repères et où on assiste à des situations très violentes. Mais par contre, la médiation et le processus collaboratif dans certains cas, mais pas dans tous. Merci. Oui, j'irai dans votre sens, dans la mesure où il vaut mieux d'ailleurs que chaque parent ait son avocat. L'idée d'un avocat commun, c'est très dangereux. Chaque parent a son avocat et ça leur permet de ne pas échanger entre eux sur les problèmes financiers, les problèmes matériels. Et je pense que là, l'avocat est très utile pour que le conflit soit entre discours d'avocat, les règles, les barèmes. Comme ça, eux peuvent vraiment rester dans le domaine affectif et de la médiation. Je pense que c'est vraiment important. J'ai peur d'avoir mal été compris. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, un intervenant faisait allusion à un esprit d'innovation, chercher de nouvelles solutions. C'est quand même une petite révolution, y compris dans le barreau, que des avocats décident de se désengager d'une procédure si jamais ils n'arrivent pas à aboutir à un accord. Donc c'est une révolution dans la mentalité du barreau complète, parce qu'il y a eu une époque qui n'est pas si éloignée, où, comme vous l'avez dit, chacun défendait mordicus contre vents et marées une position, ce qui, la plupart du temps, en matière de divorce, allumait des difficultés. Aujourd'hui,
le barreau de famille que je connais quand même un peu, a sur ce terrain-là beaucoup progressé. Mais je ne dis pas, et c'est pareil pour la médiation, si vous allez au Québec, c'est 14% des affaires. Donc je ne dis pas qu'avec ça, on résoudra tout. Simplement, on a là un instrument supplémentaire qui n'existait pas il y a une quinzaine d'années et qui me semble effectivement, dans toute la panoplie, intéressant à manier. Cela dit, je suis tout à fait d'accord avec les nuances qui ont été ajoutées. Oui, c'est-à-dire que quand on est médiateur dans une affaire, on n'est pas avocat. Et quand on est avocat dans une affaire, on n'est pas médiateur. On ne peut pas prendre toutes les places et jouer tous les rôles. Oui, mais la procédure collaborative ou la procédure participative, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau dans l'idée que l'avocat, s'il n'aboutit pas à un accord, se désengage et ne prend pas la suite de l'opération. Oui, donc ça, c'est un des éléments. Dans la procédure collaborative, oui, mais dans la procédure participative, il a le droit de rester dans le processus. Ce qui m'a fait choisir la procédure collaborative. Voilà, dernière intervention, Jean Calva, et puis nous allons donner ensuite la parole pour la synthèse de 10 minutes, un quart d'heure à Daniel Marcelli et Christine Ascoli-Bouin. Voilà. Bon, vous avez posé la question tout à l'heure, quelle perspective? Je crois que l'intervenant tout à l'heure l'a bien montré, les professions sont en train d'évoluer. L'avocat est en train de se rapprocher des médiateurs. Je crois que le psychologue aussi, il va faire la même chose. Moi, si j'ai réussi à faire quelque chose pour les malades mentaux, c'est parce que j'ai fait une alliance avec les soignants et avec les usagers malades. Et c'est ensemble qu'on est allé voir le gouvernement pour lui dire, voilà, la loi, c'est cette loi-là qu'on veut, c'est pas l'autre. Et quand quelqu'un a voulu nous enfermer, on lui a dit, non, vous n'enfermez rien du tout, vous faites une loi sanitaire et pas une loi de prévention de la délinquance. Vous voyez, c'est vraiment l'alliance entre des professions comme les médiateurs. Chacun reste dans son métier, se respecte. Mais on s'envoie des clients, on s'envoie des gens. Nous, on a besoin des soignants, mais les soignants ont besoin des aidants. Vous voyez, c'est ça qu'il faut absolument casser, cette espèce d'organisation chez nous en orgue ou d'un tuyau d'orgue où les gens se parlent pas. C'est pas possible. Alors, et dernier point, je pense qu'on doit travailler avec les élus. Parce que c'est vrai que les élus, ils ont un intérêt collectif à ce que ça marche bien. Non pas pour faire le boulot des professionnels, mais pour convoquer. Ils convoquent et ils laissent les professionnels après bosser. Je vous assure, ça marche. Dans les cas les plus difficiles, je vous assure que la psychiatrie, c'est compliqué. C'est au moins aussi compliqué que ce que vous avez expliqué toute la journée. Mais on y arrive à condition d'être plusieurs. Merci. Merci beaucoup, Jean Canva. Est-ce qu'on peut... cette phrase me convient bien. On réussit quand on est à plusieurs, ça me va. Voilà, on va remercier tous nos participants de la table ronde et la parole à la synthèse pour quelques minutes. Merci beaucoup à chacun, chacune, chacun. Voilà.